bienvenue dans le... C'est vraiment le bordel, moi je vais pas arriver à me concentrer. Bienvenue dans le premier vlog de... Je vais souffler. C'est 31 jours de vidéo au mois de mars. Comme je vous avais dit, j'ai aussi... Je vous avais dit ça sur Insta. Mon compte Insta s'affiche là. C'est là-bas que je poste tous les jours. Je vous le dis tout le temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment mon réseau préf. Et c'est là-bas que je poste vraiment, vraiment tout le temps. Et je vous avais dit qu'il y aurait aussi des vlogs pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne de vlogs et qui étaient un peu déçues qu'il n'y aurait plus de vidéos pendant un mois et même un mois et demi. Parce que bah forcément, pour préparer ce challenge, il m'a fallu un peu de temps. Bref, je vais pas raconter ma life pendant longtemps. Ça fait déjà 38 secondes que je vous saoule pour pas grand-chose. Donc c'est parti pour une journée de vlog. Et comme vous le voyez, je fais genre jamais le lit, j'ai trop la flemme. Franchement, pour cette journée de vlog, je me suis clairement pas fait chier. Je me suis habillée normale quoi, vraiment genre confortable en mode confinement avec ce sweat là de chez Ocean Apart. De toute façon, dès que je suis en linge confort, c'est vraiment soit Ocean Apart, soit Lounge Underwear. En bas, leggings, œil chaud, des petites chaussettes avec des petits boobies dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que là, vous avez plus envie de gerber qu'autre chose. Et faudrait que je mette des chaussures quand même. Si jamais vous posez la question, ces chaussons, je les aime trop. Ils viennent de chez Etam, je crois. Non, attendez. Non, je crois que je dis des conneries. Non, œil chaud, ouais. Œil chaud, je les aime trop. Claquettes, chaussons, chaussettes, j'aime trop. Je vous ai montré. Mais je voulais montrer mon bonnet. Mais en fait, je cachais même mon propre bonnet. C'était n'importe quoi. C'est un bonnet Herschel. J'ai toujours envie de dire Herschel. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bonjour Tanguy. Hey, salut, ça va? C'est So 2016 ton t-shirt là. Il a 5 ans. Ouais, je croyais qu'il y avait marqué. 2017, il y a 4 ans. Ah, vous, tu l'as acheté en. Ah, bah oui, forcément. Hey. Tu l'avais acheté en 2016. Sinon, c'est ridicule. Je croyais qu'il y avait marqué que c'était 2012, moi. Ouais, non, quand même pas. Comment tu vas, la menace? T'es content d'être dans mon vlog aujourd'hui? Ouais, je suis super content. Ouais, allez, c'est parti, on va bouger un peu. Ah, bah super! Oh là là, on en a pour 20 ans. Si j'ai un bonnet dans ma propre maison, c'est déjà parce que je me prête à sortir, mais en plus parce que mes cheveux sont gras. Oh, je peux pas vous imposer ça, c'est pas possible. Limite, ça fait des petits résidus et tout. Enfin, vraiment, là, je peux rien faire. Il y en a qui acquiescent derrière. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai quelques petites choses à aller acheter. Ça fait 20 ans que je suis pas allée genre chez Maison du Monde ou en jardinerie, ça doit faire... Je sais pas, peut-être depuis qu'Iliana est née, donc 3 mois et demi. Mais faut que j'aille voir les paillassons, les rideaux pour la chambre, les housses de couette, les parures de lit, enfin voilà, tout un tas de choses. Des cactus aussi, je vais essayer de pas les buter ceux-là. On est allé dans un magasin botanique. Et c'était fermé. C'était fermé, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de me barrer de cet endroit où tout est fermé entre midi et 14h. À 17h, bon, comme partout, tu rentres chez toi. Mais il n'y a pas Uber Eats. Mais bref, du coup, on va aller en magasin de bricolage parce que le mec là-bas il touche les couilles. J'ai pas vu. Du coup, on va chercher des trucs pour faire la chambre parce qu'on doit refaire des trucs dans la chambre. Alors, du coup, pour. Ah, faut que j'arrête. Oh, Tanguy, j'essaye de me soigner d'arrêter de dire du coup à tous mes débuts de phrase. Mais tu arriveras pas? Non, bah non, sur la chaîne de vlog, je fais ça. Ouais, grave, c'est insupportable. Il nous faut des trucs comme ça. Comme ça. Ouais. Et cela, je trouve pas de dingue non plus. Pour la chambre, pas incroyable, mais bon, on trouve pas quoi. On sait qu'ici il y a cela. Ouais. Ah ouais, on va revenir. Ah ouais, on va voir ailleurs. Je vous jure, le mec, sur 10 mètres, il s'est gratté les couilles avant d'entrer dans le magasin. Moi. Non, mais attends, c'est abusé, genre, tu sais, se les remettait en place et tout. Mais ça, tranquille dans la rue. Sur 10 mètres, à côté de sa femme, tranquille ou bilou. Tranquille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pardon Tanguy, je t'ai un peu marché devant. Il a failli me piétiner avec sa poussette. Je vais aller chez Maison du Monde voir, vous savez, les. Il y a un mec là-bas, il me regarde comme ça. Qu'est-ce qu'elle fout celle-là avec sa caméra? C'est bizarre, putain, bizarre, chelou. Bizarre. Bon, moi c'est Maison du Monde, voir les paillassons, les rideaux, enfin j'ai quelques trucs à aller voir du coup pour la maison. Ça fait genre 3 mois que je suis pas allée, j'ai trop hâte de voir une nouvelle collection. Ça c'est un de mes rayons préf les gars chez Maison du Monde. Et regardez comme il est beau ce petit panier. Oh, il y avait un petit coussin, j'avais pas vu. C'est trop mignon. Après il y a ça, mais moi mes chats ils sont trop gros, ça ira pas. Je pense que je vais prendre ça et je vais reprendre ça parce que la dernière fois j'en ai cassé... J'en ai cassé un, mais j'aime trop, même si vous avez des chiens. Enfin, moi pour mes chats, clairement, faut pas abuser quoi. Je sais que c'est genre des chiens, mais bon, n'exagérons pas quand même, c'est énorme. Je voulais voir les assiettes aussi, et je cherche des assiettes comme ça. Donc des grandes par contre, plus comme celle-là. Mais je trouve que le liseré, ça rend ça un peu cheap.
Je sais pas, avec le liseré, j'aime pas trop. Bah, les paillassons, c'est mort, les gars. Moi, je trouve ça nul, la blanc. Le seul qui est beau, c'est celui qu'on a. Ah ouais, lui là-bas, mais on l'a, mais il est mort. Mais je vais pas racheter le même. Mais moi, les il me plaît plus sont trop. Beaucoup trop petits, je pense. Bah ouais, regardez, pour un paillasson. Regardez par rapport à ma main. C'est tout petit, non? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce que tu paillasses avec ça? Ah si, regarde celui-là. C'est pareil, là. C'est... Franchement, je suis une hypocrite si je l'achète parce que. Ouais, non, c'est ridicule. Chat and family. C'est nul, non? Un peu, je te le mettrai devant leur arbre à chat. Bah non, c'est pour nous. Oh, je crois que t'avais abandonné mon enfant. Mettre... Bah... C'est minuscule, tu mets même pas une chaussure. Mais à la place de notre paillasson d'Halloween, t'as pas remarqué que c'est plus Halloween depuis longtemps là, quand même. Ouais, mais même. T'as pas vu que dans l'entrée c'est un paillasson d'Halloween? Si, mais j'aime bien moi, le paillasson d'Halloween. Ouais, mais non, à un moment, on peut mettre celui-là si tu veux, mais je le trouve vraiment petit quoi. Ouais, non, c'est trop petit, ça va pas. Il est mignon, mais bon, c'est un peu chelou quoi. Bon, je mets une chaussure à moi, il y a plus de place déjà. Bah ouais. J'ai puis... des grands pieds. Hein. Ouais, puis tu les balances n'importe comment surtout. Tes pieds. Allez. Ou tes chaussures. Et ça, c'est pailleté, je comprends pas. Ça, c'est pas non, je sais pas. Mais les paillassons, je trouve que c'est dur de trouver des jolis. Ouais, non, bof. Et celui-là ? Non, mais on va pas faire ça pour toi, on va pas y arriver là. Il est dans un style très particulier. Ouais, regardez comme il est minable. Avec du caoutchouc doré. Ouais, j'aime pas. C'est horrible. Il y a des gens qui aiment ça. Dites-moi si vous aimez. Pourquoi pas, mais bon, je vais pas chercher moi. Bon allez viens on se casse parce que là 3 heures qu'on passe en revue les paillasses. On va à Botanique, c'est bon ça a ouvert. Et il y a plein de monde du coup, je comprends pas. Ils étaient tous cloîtrés chez eux. Mais ils attendaient que ça ouvre. Bah ouais grave. 14h30 c'est blindé, tout à l'heure c'était Ville Fantôme et là. Et par contre Lily elle s'est mise à hurler donc j'espère que ça va aller. Elle a fait Bah parce qu'on bougeait pas, on était dans la voiture. Ouais, grave, allez let's go. Moi j'y verrais bien un truc comme ça. Celui-là là. Ah ouais, et là ça pourrait être sympa. Ah mais grave, ouais j'aime bien. En fait il nous faut des mini trucs. Je vous ai pas montré pourquoi. Mais c'est chiant, c'est mi-ombre, mi-soleil, je suis au bout. Ouais. Mais il nous faut des tout petits trucs du coup. On en a qu'un, il nous en faut deux. Ouais. On prend quoi? Bah, on va choisir. Bien choisir. Et je vous montrerai à la maison. Lily, pas content. Elle veut pas prendre son biberon Lily. Bon du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on a trouvé. J'ai l'impression que le cadrage est un peu pourri. Je vais me relever un peu comme ça, au moins ce sera un peu mieux cadré. Du coup j'avais une liste bien précise de choses à acheter et je crois que la seule chose que j'ai pas trouvé c'est le paillasson, il me semble. Donc du coup pour les cactus on a pris celui-ci. Celui-ci c'est celui que Tanguy a choisi et moi j'ai choisi celui-ci. Et en fait on avait besoin de tout petits cactus comme ça, donc c'était 3,05€ et 1,99€. C'est vraiment à la caisse, on avait juste ça, c'était un peu chelou. Et du coup, en fait, c'est parce que Tanguy avait acheté une paire de sneakers comme ça. Et je sais pas, t'as acheté ça à quel artiste? C'est Mister Flower Fantastic. D'accord, j'espère que vous avez entendu. Moi, je. C'est marqué dessous. Ah bon? Ouais. Ah ouais, Mister Flower Fantastic. Et c'est une paire de chaussures comme ça, de pots de fleurs, de sneakers, mais c'est des sneakers pour enfants. Il y avait aussi la version adulte, mais c'était déjà genre 300€ je crois, les deux, la paire. Après c'est de l'art, c'est vraiment très très beau. Enfin franchement, Tanguy il achète genre rarement de la déco, par contre quand il achète un truc c'est vraiment un joli truc et c'est vraiment très bien fait. Du coup il faut que je dépote le cactus et la plante grasse pour mettre là-dedans et franchement je pense que ça va être trop beau. Donc je vais essayer de pas casser ça. Et ensuite tout le reste on l'a pris chez Maison du Monde. Ça, on l'a pris aussi chez Maison du Monde. Je savais pas qu'il y avait des fleurs séchées dans ce magasin, mais il y avait tout un rayon à la caisse. Du coup, j'ai pas pu vous montrer en vlog. Il y avait tout un rayon à la caisse, trop beau. Il y avait plein de belles fleurs séchées et tout. J'ai eu du mal à choisir. C'était 12,99€ pour celle-ci. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, j'avais envie d'une petite touche colorée parce que ça va être assez neutre la chambre. Je montrerai tout ça quand je décore et tout. Il y aura toute une série de vlogs là sur ma chaîne principale sur la chambre. Oh, j'ai dégommé le cactus. Non. Oh non. T'as enlevé l'eau du cactus ? Non, 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 je l'ai dégommé mais juste je l'ai foutu par terre quoi. Il s'est un peu renversé. Donc j'ai repris ça que j'avais cassé pour les chats. C'est 5€ je crois, ouais, 4,99€ la première fois. Je crois que je l'avais reçu de Maison du Monde. Et au bout de 2 ans, bon bah je l'ai cassé. Non, c'est pas moi, c'est toi. Pourquoi je m'accuse? C'est toi qui as cassé les... T'as cassé une oreille, non? Une oreille de quoi? D'une gamelle des chats. Ah oui, c'est moi. Ah ouais, mais moi je m'accuse. Du coup j'ai pris un... Est-ce que vous voyez Doudou? Ah non, vous voyez pas qu'il me ressacre chaque fois. Regardez Doudou, bah, ce panier là, franchement il est ravagé, il était temps de le changer. Les paniers en fait de Doudou, parce que Doudou passe sa vie dans les paniers, ça dure entre 1 an et 2 ans selon la matière et tout. Je crois qu'il nous a duré 1 an. On l'a acheté sur Amazon il me semble, mais franchement je suis pas contente de la qualité. Au fil du temps, je suis pas ravie, il est tout ratatiné et tout, enfin vraiment j'aime pas trop. Celui-ci il m'a l'air mais trop bien. Franchement, bah, je l'ai montré dans le magasin, il m'a coûté 29,99€.
Il y a un petit coussin. Bon, à terme, je sais pas s'il restera ce petit coussin. Vous pouvez. Ah ouais, non, mais faut l'enlever de toute façon. C'est juste des petits trucs plastiques qui tiennent, vous savez. Pour ensuite le mettre comme vous voulez. Mais non, il y a des rideaux là-dedans. Ça attend. Attends deux minutes. Du coup, je le trouvais très cool. Et j'essaye de prendre plutôt des paniers blancs. Parce que Doudou, ses poils, c'est un enfer. Je suis désolée, mon téléphone n'arrête pas de sonner sur la table. Des paniers noirs, non ? Hein ? Des paniers noirs. Quoi ? Des paniers noirs. Ouais ? T'as dit des paniers blancs. J'essaye de prendre des paniers blancs, j'ai dit ? Ouais. Non, non, je veux des paniers noirs. Qu'est-ce que je raconte? Ah là là, heureusement que t'as occupé mon cerveau. Non, non, je veux des paniers noirs parce que bah Doudou met des poils de partout, comme je vous disais. En train de me regarder d'un air accusateur. Hein. J'ai pris un autre truc qu'on a cassé aussi. Un verre. Ces verres-là. Ça fait... J'ai acheté ces verres-là il y a peut-être 4 ou 5 ans. Chacha est déjà en train d'aller dans le panier. Et on en pète de temps en temps. Allez, peut-être un par an. 2,99€ il m'a coûté. Mais par contre, ils ont toujours la collection. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas exactement le même verre. C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est pas exactement le même. Oh, je suis en train de dégommer la bande grasse maintenant. Oh, là là. Oh, je suis infernale. Ensuite, j'ai pris un petit doudou pour Iliana. Parce qu'en fait, elle kiffe vraiment la matière des langes sur lesquelles on la met tout le temps quand elle est allongée sur le canapé et tout. Bon, elle est tout le temps allongée, sinon c'est qu'elle est dans un transat quoi. C'est encore un petit bébé de 3 mois et demi. Et elle adore la matière des langes, elle s'en sert vraiment doudou. Elle est tout le temps en train de se blottir dedans, ça la rassure vachement. Donc j'ai trouvé un doudou avec une matière de langes comme ça. C'est un petit koala. Ça coûtait 12,99€, faut juste que j'enlève cette grosse étiquette là. Et enfin, dernière chose que j'ai trouvée, j'aurais dû vous les montrer dans le magasin parce qu'ils étaient en exposition. C'était, par contre c'est super cher, hein, 29,99€ le rideau, donc ça fait quand même 60€ les deux rideaux. J'espère que Chacha va pas s'amuser à mettre ses griffes dedans et à grimper parce que c'est ce qu'il fait malheureusement sur les rideaux, il nous les ruine mais tous. Et ceux de la chambre sont vraiment tout déchirés, donc ce sera pour la chambre, je vous montrerai quand tout sera terminé. Et voilà, 60€ les deux rideaux, c'est cher, mais franchement, ils ont l'air de super bonne qualité. Je sais pas si vous voyez les détails. Vraiment, je pense que ça va bien avec le style que je veux donner à la chambre. Donc voilà pour ce petit haul. J'ai plein de trucs à faire avant de partir. Et ensuite, on va aller faire une petite balade sur un espèce de pont comme ça, magnifique, avec mon meilleur ami Tanguy et Iliana. Donc, il faut que je me dépêche. Bon, ben on laisse Noémie 30 secondes avec les cactus et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ravage tout? Non, mais ça m'a saoulé aussi. Bon, celui-là, il est bien fait. Lui, je l'ai fait en deux temps, lui, ça fait un quart d'heure. Il est super bien. Par contre, lui, j'ai l'impression que j'arriverai même pas à le sortir. Non, mais par pourtant, contre, faut pas le tuer, ça me fait de la peine. Et ouais, il était peut-être un poil plus gros. Moi, je vais essayer de faire quelque chose. S'il te plaît, Tanguy! Heureusement que Tanguy est là et bien plus minutieux. Il m'a arrangé le coup. Franchement, c'est trop beau. Par contre, le choix de Tanguy est meilleur que le mien. Je trouve ça vachement plus stylé ça que ça. Pourquoi Tanguy choisit toujours mieux que moi? Dites-moi dans les commentaires celle que vous préférez, le cactus ou la plante grasse. Je crois que c'est une plante grasse, je connais rien en plantes. Moi, s'il faut, je vous dis des grosses conneries, je suis super persuadée depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mais ben, moi, je préfère celle-là quand même, celle de Tanguy. Bon, bah, c'est toujours les mêmes qu'on attend, les gars, je vous jure. Et on le savait en plus. Ah ouais, non, mais on n'arrive jamais en avance chez Johan, donc notre ami, parce que. Le mec, il est tout en retard. C'est un enfer. Là, il est arrivé alors qu'on croyait qu'il était là. Il y avait sa voiture. J'ai pas compris. Il est arrivé avec une autre voiture. Il avait une autre voiture. Grave. Et du coup, il est arrivé. Là, je veux faire un truc de seconde et tout. Je suis sûre, on va l'attendre une demi-heure. Le couvre-feu, il est dans une heure et demie. Il va aller prendre sa douche et tout. Mais je suis sûre, il va aller prendre sa douche, moi. Non ? Ou pas pour aller promener. Il va prendre sa douche. Non, mais non, ongles. Mais. Se faire une petite couche. Un petit peu de parfum. Ouais. Mais vraiment, il est tout le temps en retard, c'est un enfer. Je vous ai abandonné, les gars. Comme vous pouvez le constater, ici, il fait nuit. Genre vraiment nuit noire. Je sais pas, il est presque 19h. Oui, il est 19h. On est allé se promener du coup avec Johan et le temps de rentrer et tout avec le couvre-feu. Après j'ai posté sur Insta et tout, enfin ça a été vraiment la course. Par contre j'avais des colis dans la boîte aux lettres donc je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble. Alors du coup, unboxing, j'avais 4 colis. J'ai reçu des trucs aussi pour une vidéo, j'ai trop hâte, c'est une vidéo genre que j'ai jamais vue nulle part. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de vous la faire. Du coup bah je vous montre pas ce que j'ai commandé forcément. Je garde un peu de suspense. Alors elle se tape des barres, mon bébé. Oh oui, c'est La Neige. Enfin c'est une agence je reçois beaucoup de produits de l'agence Nice Work. Et wow, elle veut tester La Neige je pense. Elle va percer le tympan. J'adore, ouais c'est clair. Donc ça c'est quoi? Ah oui, c'est le spray hydratant. Par contre, niveau voix, c'est ma fille. Il n'y a pas de doute.
Niveau calme, c'est son père. Niveau voix, c'est quand même la mienne, corde vocale. C'est un spray hydratant. Alors ça, je vais le mettre direct dans ma routine. J'avais trop envie de le tester. Ensuite, c'est quoi? Oh, lait en huile démaquillant. Oh là là, j'ai trop hâte de tester. La neige, j'adore. C'est une marque que je trouve mais géniale. Et ça, je l'avais reçu en petit format et je l'utilise régulièrement. C'est le tonique. C'est un tonique en fait et c'est vraiment un hydratant. C'est super agréable à utiliser. Je l'avais en petit format. Je sais plus où est-ce que je l'avais reçu, je crois, de Sephora, il me semble. Et voilà, parce que la marque est dispo chez Sephora. Franchement, j'ai trop hâte de tester. Donc voilà pour ça. Ensuite, c'est toujours la même agence, je crois. Que c'est. Oh oui, c'est NARS. Oh, oui, j'avais trop hâte de recevoir. C'est la, vous savez, la collection Claudette. Ah oui, c'est mi-blush, mi-bronzer. Bon, la lumière est dégueulasse. Les packagings sont comme ça. Grave beau. Kiffe trop. Il y a vraiment beaucoup de produits pour les lèvres. Oh là là, ils sont trop beaux. Regardez comme ils sont beaux. Trop jolis. C'est un rouge. Pensez, il sent bon le sucre. Mon petit bébé, elle se régale, hein? Bon, du coup, j'en ai reçu plein. Il y en a quand même 9. J'ai Claudette, d'ailleurs. Léa, Anaïs, Mathilde, Sylvie, Augustine, Bérénice et Ginette. Écoutez, j'ai bien hâte de tester tout ça. Et si on regardait au moins Ginette, allez, parce qu'il m'intrigue celui-ci. Il est super foncé. Il a l'air grave beau. Moi, c'est pas trop le genre de couleur qui me vont les teintes très foncées. Donc voilà, de l'agence Nice Work. Oh là là, j'avais tellement hâte de recevoir la collection NARS. Ensuite, j'ai reçu ma nouvelle sélection de chez Auchan à Paris. Alors j'avais sélectionné, j'ai toujours des codes promo, je vous les partage sur Insta. J'ai sélectionné cette brassière là, avec le legging qui va avec. C'est quand même assez... j'ai pas du tout l'habitude de cette matière, on dirait limite une matière maillot de bain. J'avais kiffé ce motif léopard, il y a des coques à l'intérieur. Moi je les enlève toujours par contre. J'ai pris le legging qui va avec. C'est super extensible. Hein. J'ai pris 34 comme avant grossesse alors qu'il me reste quand même un peu de poids à perdre. Et je rentre toujours autant dedans. Mais je me dis que si je perds tous mes kilos, au moins je continuerai à rentrer dedans. Il est vraiment, vous voyez, la matière, ça brille de ouf, j'aime bien. Et en pull, j'avais pris... Est-ce que c'est le même que celui que je porte là? Il y a mon... Oui. Non, il est plus long celui-là. Et il est brodé ici, Ocean Apart. Basique, mais il avait l'air bien celui-ci. La matière est super, elle est bien épaisse celle-ci, il a l'air cool. D'ailleurs celui-ci franchement je l'ai en violet aussi et je le kiffe trop. Et enfin, dernier colis, c'est Tanguy qui m'a trompé. Tanguy, tu m'as trompé, je suis pas au courant. C'est Tanguy qui m'a tenté, je voulais dire. C'est Tanguy qui m'a tenté, il m'a dit oh, regarde ce qui sort et du coup je l'ai décommandé. Enfin non, j'avoue, j'ai demandé à Tanguy qui me les commande parce que je savais pas sur quel site c'était. C'était sur quel site, Tanguy? StockX. C'est vraiment pas étonnant. À chaque fois, je sais pas pourquoi je te demande, c'est toujours StockX en fait. Attention les yeux, vous êtes pas prêts, elles sont trop belles. Et donc, c'est des Dunks. Ça va, tu t'es pas trompé dans la taille, biche. Tu veux voir? Bah ouais, j'ai envie de voir à quoi elles ressemblent quand même. T'es jaloux? Ouais, j'ai les mêmes. D'accord, en fait. Elles ont l'air trop belles. Ouh, ça va. Elles ont l'air grandes. Bah j'ai des grands pieds, faut que je me rende à l'évidence. Ouais, en même temps. C'est du 39. Oh, elles sont trop belles. Oh mon dieu. Avec la virgule en relief là. Ici. Non. Ici. Non. Voilà. Si, un peu. Ici. Ici, j'arrivais pas à viser. Oh, elles sont trop stylées. Sympa, non hein. Ouais. Trop belles. J'ai des grands yep, c'est chiant. Bah qu'est-ce que tu veux, au moins t'es stable. Ouais, mais bon, je fais 1m59 pour du 38-39. Et du coup, comme c'est toujours chiant de renvoyer des chaussures comme ça, sur StockX, tu peux pas? Je crois que tu peux pas. Ah d'accord, mais t'as pas intérêt à te planter quoi. Voilà, chaussure de toi. Ouais, c'est clair. Donc du coup, je prends toujours 39 dans le doute, parce que 38 si jamais c'est trop petit, après je vais me buter quoi. Elles sont trop belles. Oh mon dieu, je les trouve trop belles. Oh, elles sont trop belles. Non? J'étais grave la bouffe, Tanguy, il avait un modèle comme ça, il est pas là. Bon, il a déjà rangé parce que Doudou s'en est bouffé assez. Elles sont trop stylées, j'adore. Voilà, fin du unboxing. C'était déjà assez chiant et long comme ça. Les amis, il est temps
train de clôturer, je suis au bout du rouleau. Il est genre 20h30, un truc comme ça. On va manger des pita là. Bon, par contre, on n'a pas de légumes, donc on n'a rien mis dedans. Vous devez vous dire, c'est juste un pain pita. Mais non, c'est garni à l'intérieur. Je vous ai mis la recette avec les légumes et tout dans l'highlight sur Instagram recette. C'est pour ça que je vous ai pas montré et parce que je manque de plein d'ingrédients. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais je vais vous laisser ici parce que je suis crevée. Donc j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je trouve ça cool d'en faire aussi ici sur cette chaîne. Même si sinon en dehors de ce challenge de 31 jours, ce sera toujours sur ma chaîne de vlog. Puisque j'ai une chaîne vraiment dédiée au vlog. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.